tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur Fruity Wave Shaper. Donc le unipolar, donc c'est quand on n'a pas de. Par exemple si on se met en bipolar ici on a deux. On peut étirer en fait ici, en bipolar, mais en unipolar, on n'a pas on n'est pas libre ici en fait de bouger les traits. Donc le pré en fait c'est le pré-amplification, donc ça permet sur le graphique déjà de bouger de gauche à droite au niveau du trait. Et en plus, si vous mettez à droite, vous aurez quelque chose d'un peu plus fort, que si vous mettez à gauche, vous aurez quelque chose d'un petit peu moins fort. Donc c'est un pré-amplification. En fait, le mix, ça permet de mettre plus ou moins de distorsion. Donc là, on aura le son, enfin de saturation, de distorsion. Donc là, vous aurez plus ou moins un truc naturel, et plus on va à droite, plus vous aurez quelque chose qui sature. En fait, le poste, c'est le son de sortie. Donc si vous mettez à gauche, vous aurez plus de son, que si vous mettez à droite, vous aurez du son. Donc là, vous avez un petit bouton pour freeze, et donc après en fait vous pouvez plus donc modifier donc la courbe. Donc là on voit qu'elle est sur freeze. Hop. Si on enlève ici, on peut modifier si on se met là la courbe. Ça permet de freezer donc tous les paramètres. En fait le step editing, son petit bouton ici, et donc là comme vous avez vu j'ai pu faire, donc si on remet par défaut, on va remettre propre le truc. Donc si je le sélectionne pas ici, on n'est pas très libre en fait à dessiner des courbes dessus, alors que si je le sélectionne ici, on peut dessiner donc des courbes. Donc en fait l'oversample ça permet de mettre de la qualité en fait au niveau de du VST. Sauf que ça prend pas mal de CPU et ça peut faire crasher si on a plusieurs gros plugins qui tournent en même temps sur un son. Donc ça permet d'avoir une meilleure qualité de son. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.